Bonsoir à toutes et tous. Lundi 19h, c'est votre rendez-vous avec Match après Match pour débriefer de toute l'actualité de la planète football. Et cette semaine, on en a vécu des émotions et on en a des choses à dire avec nos invités, à commencer par celui qui est officiellement promu depuis vendredi avec le Servette FC, Steven Lang. Bonsoir. Félicitations, bienvenue sur notre plateau. Il est le rédacteur en chef des sports de Keystone ATS. Bonsoir Julien Pralon. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Notre consultant maison, c'est Claude Grosse. Bonsoir à vous. Bonsoir Daddy. Et pour la rédaction de Téléclub, c'est Nicolas Ménacre qui complète le casting de ce lundi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus. On va commencer avec l'actualité brûlante et ce qui s'est déroulé hier du côté de la Swissport Arena avec un nouveau match de Super League interrompu à Lucerne alors que Guetze était mené 4-0. Les supporters zurichois ont passé les grillages pour descendre au bord du terrain et dire leur mécontentement. Monsieur Doudic a finalement dû renvoyer les deux équipes au vestiaire. C'était déjà arrivé à Sion, on s'en souvient. La SFL va sans doute infliger une amende par forfait et une défaite donc pour ce club qui va être officiellement relégué dès que la décision de la Ligue sera tombée. Quand on voit comme c'est facile, messieurs, de faire interrompre un match, on se dit qu'il va quand même falloir prendre des dispositions. Claude, je sais que vous étiez hier devant votre écran et que vous êtes très fâché avec cela. J'étais dingue et ça me redingue et je suis encore fâché. Comment c'est possible que 25 abrutis, et abrutis parce que je suis poli, puissent faire arrêter un match à Sion? Il y a deux mois, la Swiss Football League a dit qu'elle prendrait des sanctions exemplaires. Comment ces 25 même abrutis peuvent tout casser dans le secteur visiteur à Neuchâtel, plus on prendra des gens dans la rue, plus tout fracasser sur leur passage. Et ces mêmes 25 abrutis font arrêter un match. Et sans qu'il se passe rien, et on les reconnaît. Hein. Moi, si la police n'arrive pas à les reconnaître, je peux les aider parce qu'on les a bien vus. Hein. On a eu le temps de les voir et c'est les mêmes. C'est les mêmes têtes. Hein. Donc, j'aimerais savoir, je ne sais pas, alors, les pauvres gilets jaunes là, ou oranges qui ne servent à rien, mais ils ne peuvent pas grand-chose, ils ne sont pas nombreux. Mais quand il y a la police qui rentre sur le terrain, ils sont casqués, ils sont matraqués. Qu'est-ce qu'ils font à 20 mètres de ces mecs? Pourquoi on ne va pas les chercher? Et s'il faut utiliser la force, vous l'utilisez, vous les évacuez, vous les fichez, vous les mettez en prison, parce que, tout qu'à un moment, pour qu'ils se détendent. Et puis le jour du match, ils sont fichés, vont au commissariat. Il y a bien un commissariat ouvert à Zurich, je pense, le jour du match. Et le problème est réglé. Qui prend les... Alors la Swiss Football League dit toujours c'est compliqué. C'est compliqué, oui, mais quand c'est compliqué, il faut prendre un peu plus de temps et trouver des solutions. Quand c'est facile, bon, alors tout, y a toujours plein de conseils. Mais quand c'est dur, oui, il faut prendre un peu de temps. Mais là, il faut prendre des décisions. Maintenant, avant qu'il y ait un drame, j'ai vu ce qui s'est encore passé à Genève, puisqu'on y était. Ce n'est plus possible. Il faut arrêter. C'est compliqué. Moi, je ne crois pas que c'est tellement compliqué. On a le visage des mecs, on a leur nom, ils sont fichés. Ils n'ont rien à foutre au stade. Bon, là, ils n'étaient pas agressifs. Hein. Ils étaient menaçants à Lucerne. Ils ont demandé aux joueurs de Grasshopper de rendre leur maillot parce qu'ils ne méritaient pas de jouer avec le maillot de Guetze. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça vous choque, messieurs? Moi, je suis choqué parce qu'en plus, on le savait, c'était un match à risque. Guetze risquait en cas de défaite, de tomber officiellement. Donc, on était préparé à ça. Et je suis aussi surpris, comme le dit Claude, du manque de réaction de la sécurité. Ils sont 4-5 à essayer de se mettre devant. Mais bon, contre une cinquantaine de hooligans, c'est compliqué. Donc, ouais, je suis aussi choqué. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain? Agressif ou pas, qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain? Ils n'ont rien à aller sur le terrain. Là, c'est une question assez centrale. La facilité que les supporters ont dans ce pays, quel que soit le stade, quelle que soit la ville, à pénétrer sur le terrain, sont des scènes qu'on voit pratiquement plus ailleurs. En Suisse, ça se voit de manière beaucoup trop fréquente. Il y en a quand même une bonne dizaine de cas par année, en fait, si on regarde bien. Je crois me souvenir, sur votre ancien plateau, on avait abordé le thème, il doit y avoir un an et demi. Et moi, je me souviens que j'avais... Voilà, pour l'instant, je suis très heureux. Je n'ai encore jamais assisté à des morts sous mes yeux dans un stade. J'aimerais bien que ça continue. Mais à force de laisser... ouais, c'est une vraie problématique, disons. Après... Il y a beaucoup de choses. C'est sûr que c'est extrêmement compliqué, l'obligation de pointer au commissariat le week-end, parce que ça demande quand même des commissariats ouverts avec des gens qui encadrent. C'est quand même des moyens. C'est plus simple de laisser ce bordel. C'est effectivement une piste qui est. Voilà, je crois que le canton de Vaud vient de prononcer ses deux premières obligations de pointer. Là, ça doit faire un mois et demi. Mais ça demande des moyens, en fait, parce qu'il faut quand même. Voilà, c'est toutes des forces de l'ordre qui, en plus, sont mobilisées tous les week-ends pour. Voilà, c'est assez compliqué, mais. Mais tu parles de la facilité à rentrer sur le terrain. En Angleterre, ils sont à 1 mètre de la ligne de touche, il y a juste une barrière à combler, ils n'y vont pas. Parce que l'éducation, le terrain est sacré, vous n'y allez pas. Mais ces gens-là, parce que je dis bien moins que le cas, c'était moins le cas il y a 20-25 ans, et maintenant cette violence, elle s'est répercutée sur les ligues inférieures. C'est... Non, mais il y a trois points. Il y a la responsabilité individuelle. Comment on en arrive à aller dans un stade pour faire ça?
ça peut avoir de la passion pour le football. C'est l'éducation. C'est, voilà, il y a la responsabilité des dirigeants sportifs, donc la Ligue en l'occurrence, qui doit prendre des sanctions, qui doit prendre des décisions. Et il y a aussi la justice et les lois qui doivent être faites en sorte et adaptées au fait que parfois il y a ce genre de comportement dans des stades. Oh, l'arsenal judiciaire existe. Qu'est-ce qu'on en fait ? Après, c'est une question de mise en pratique. Voilà. L'arsenal existe. Le problème, c'est que certaines mesures coûtent cher quand même et que c'est, voilà, tout le monde jongle avec des budgets qui sont de plus en plus serrés. Donc, c'est quand même compliqué parce que faut bien se dire que mobiliser des forces de l'ordre un samedi, un dimanche, c'est des heures sup, hein, souvent quand même. Donc, ça chiffre quand même sur un budget annuel à raison de 18 matchs par saison à domicile. C'est quand même pas évident. Et Claude évoquait aussi... pas encore suffisant si ce genre de comportement se voit encore. L'arsenal est suffisant, est-ce qu'on l'applique ? Est-ce qu'on applique ? Et comment on l'applique ? Non, mais qu'est-ce qu'on en fait ? S'il n'y a pas ces gens-là dans le stade, il n'y a pas besoin de force de l'ordre, voilà. Parce qu'il y en avait 25. Les autres se sont tenus comme il faut, ils étaient dans la tribune, ils n'ont pas bougé, ils étaient assis, ils regardaient le spectacle. Donc si on enlève ces gens des stades, il n'y a pas besoin de la sécurité. J'ai une anecdote quand on joue à Baume avec le Mont, on accueillait Zurich, au Mont, à Baume, niveau agressivité avec nos supporters, c'était moyen. Hein. Peu de risques, on en avait un, il avait 12 ans. J'ai vu les gendarmes arriver, j'ai cru que c'était le sommet du G8 à Bourme. Hein. Il y avait plus de gendarmes pour 500 supporters ou 400 supporters du Zurichois qui sont arrivés. Je me suis permis de poser la question, pourquoi il y avait autant de policiers. On m'a dit, il y a 30 interdits de stade qui sont là, ils sont dans les cars, ils arrivent avec les supporters. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Alors, cette sécurité. Ces interdits doivent pointer au poste. Ils étaient là. Et nous, on a dû payer des frais de sécurité pour la gendarmerie pour accueillir ces mecs qui ne doivent pas être dans un stade. Donc, à un moment, il faut arrêter la plaisanterie. Quoi. Ouais, gros dossier. Hein. Il y aura encore des choses à dire, évidemment, ces prochaines semaines. On espère que ce sont des choses qui vont se régler rapidement, parce qu'on n'aime pas voir ces images, évidemment. Quoi qu'il en soit, Grasshopper va être officiellement relégué cette semaine, hein, le Recordmeister, qui redescend en challenge. League, c'est historique. Et puis, cette semaine, plusieurs événements dans les rencontres européennes vont également rentrer dans les livres d'histoire. On y reviendra tout à l'heure, mais pour cette première causerie, on s'intéresse au football suisse et plus précisément à la Challenge League. Puisque vendredi soir se tenait le très attendu 184e derby lémanique en Challenge League, remporté par Servette sur un score final sans appel de 3-1 dans un stade de Genève garni de plus de 20 000 spectateurs. Steven, vous qui êtes sur la touche depuis fin août à cause de votre opération des croisés, comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre ? Pour moi, c'était très compliqué de suivre cette rencontre parce que d'évoluer dans un stade plein, dans un derby, sachant qu'en reportant le match ou en faisant un point, on allait monter. Pour moi, c'était très compliqué d'être en dehors de l'équipe. Mais bon, on a fait un match remarquable. On a, je pense, tout au long de la saison, mérité cette promotion. Et voilà, jouer cette finale devant 20 000 spectateurs, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était extraordinaire. On y était aussi avec Claude Gross depuis les tribunes. En termes de sécurité, là aussi, on a vu les Servettiens particulièrement enthousiastes rentrer sur la pelouse avant le coup de sifflet final. Vous avez flippé à ce moment-là ? Honnêtement, un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il n'aurait pas fallu que ça traîne et qu'on perde 3-0 par forfait. Mais heureusement, tout est rentré assez vite dans l'ordre. On savait qu'il y aurait un envahissement du terrain, pardon. Mais bon, apparemment, les spectateurs pensaient que le match était terminé. Voilà, mouvement de foule et tout le monde qui a suivi derrière. Mais heureusement, ils sont assez vite rentrés dans les tribunes et on a pu continuer le match. C'est vrai que ça aurait pu être dramatique. Hein. Servette aurait vraiment pu perdre 3-0 par forfait ? Pourquoi pas ? Si la partie ne peut pas aller à son terme, ça fait partie des conséquences possibles. Ça aurait été la Ligue qui aurait dû décider. Mais même si Servette perdait ce match-là, ça ne remettait pas en cause la promotion du club. Non, mais là, ce qui aurait pu être dramatique, c'est justement un envahissement de terrain quand il se fait en nombre comme ça. Enfin, c'est dangereux, un mouvement de foule, en fait. En fait, c'est dangereux. Moi, je me souviens à Genève, ce n'était pas pour un match de Servette, c'était un match international où je voyais des pères de famille qui prenaient leurs gamins de 8-9 ans, je crois que c'était un match de l'Italie, puis qu'ils les mettaient sur la pelouse, va vite chercher. Enfin, il faut réexpliquer aux gens, c'est dangereux. En fait, on n'a rien à faire sur un terrain. Ça crée une pelouse. Sur un terrain, il y a des joueurs, il y a des arbitres, il y a un staff, mais en tant que public, on n'a rien à y faire. On n'a rien à y faire. D'ailleurs, vos coéquipiers ont dû intervenir. Hein. On voit des images avec certains Servettiens qui disent « Allez, retournez à vos places, c'est pas le moment, le match n'est pas terminé ». En tout cas, ce choc, il était capital. Hein. Pour Servette, on savait que la messe était dite, il manquait juste un petit point. Mais c'était important quand même, au terme de cette saison, de finir avec cette finale. Vous l'avez appelé vous-même comme ça, Steven, face à celui qui était favori en début de saison, pour
pour que la fête soit belle, toutes les planètes étaient alignées vendredi. Exactement. En plus, le public s'est déplacé en nombre. On ne voulait pas les décevoir. On sait que le public à Genève est pas facile à déplacer. Donc, il ne fallait pas perdre ce match. Bon, on savait qu'on allait le faire de tôt ou tard, mais c'était vraiment le bon moment. En plus, le stade plein, c'était vraiment une fête exceptionnel et en plus face au Lausanne Sport, donc pour un Servetien, il n'y avait rien de mieux ce soir-là. Ouais. Claude, nous qui avons suivi la partie de près, le Lausanne Sport dans cette rencontre n'a pas vraiment existé. C'était très compliqué en début de match pour eux, ils sont revenus dans le match à la mi-temps, c'était un petit peu équilibré. Et deuxième mi-temps, c'était plus dur, Lausanne a reculé, ils ont un peu spéculé sur ce nul et essayé de jouer en contre. Et comme je disais, il n'a peut-être pas manqué grand-chose, parce qu'à 5 minutes près, ou si on arrivait à la 80e, peut-être que Servette aurait un peu moins attaqué, aurait été content de ce point, et Lausanne aussi. Donc à 5 minutes près, je pense que le match se serait réglé tout seul, un peu à l'amiable, mais il n'y a même pas besoin de discuter. Les joueurs, les staffs, vous regardez, et puis vous savez que rien que par le comportement, vous reculez un peu, les deux équipes reculent, et ça fait un, et tout le monde est content. Donc moi, je voyais ce tissu-là, et ça, le but est arrivé 5 minutes trop tôt pour Lausanne. Lausanne, qui s'était vu rejoindre par Aarau à 2 longueurs seulement au classement, qui avait besoin de ces 3 points pour conserver sa place de barragiste. On y reviendra tout à l'heure au LS. Avant cela, un mot quand même sur la suite maintenant pour Servette, qui a largement mérité cette promotion grâce à une vraie identité dans le jeu, à une percussion offensive, à une constance qui ont sans doute manqué au LS. Didier Fischer, le président du Servette FC, était hier l'invité sur ce plateau dans l'heure de jeu. On va écouter sa vision sur l'avenir. Je pense que le saut Challenge League Super League, c'est un choc qu'on va devoir déchiffrer, qu'on va, si possible, anticiper. Et c'est vrai d'abord au niveau sportif, mais c'est aussi vrai au niveau structure. L'événement est quand même plus gros d'organiser un match en Super League qu'un match en Challenge League, ne serait-ce qu'au niveau spectateur. Donc voilà, on se renforce partout, mais tout est prêt. Jouer le maintien, c'est jouer la peur. Alors c'est vrai qu'on aurait raison de penser comme ça quand on voit que 7 clubs sur 10 dans la Super League sont menacés de relégation. Je caricature un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un entrepreneur raisonnable sur cette planète qui va mettre même 5 millions de francs en sachant qu'il a 75% de chance d'être relégué. Donc c'est un jeu très dangereux. Mais essayons de ne pas jouer la peur. Et c'est pour ça que j'ai organisé un budget valable pour 3 ans avec l'ambition de s'installer dans le milieu de classement. C'est ce qu'on doit viser. Je ne dis même pas éviter de retomber, je ne dis même pas aller viser en haut, je dis installons-nous, comprenons comment tout ça fonctionne. Et ça, il faut mettre certains moyens, des compétences d'une part, et du budget aussi. Et Julien Pralon, vous qui observez ce Servette FC depuis longtemps, après 15 ans de remous, est-ce que vous avez l'impression que c'est une nouvelle ère qui débute pour le club Grenat ? La nouvelle ère a déjà débuté à partir du moment où Didier Fischer est arrivé à la tête du club, me semble-t-il, parce que cet oiseau rare qu'attendaient de nombreux jeunes voix et peut-être bien enfin à la tête du club. C'est-à-dire que voilà, moi je le trouve très cohérent dans sa politique, dans sa communication aussi. Il n'y a pas de fausses promesses, il n'y a pas d'effet d'annonce. Didier Fischer, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Quand il n'a pas envie de parler d'un sujet, il n'essaie pas de noyer le poisson, il dit ça, j'en parle pas pour l'instant. Et là, je le trouve extrêmement sage et très malin dans son approche de dire, voilà, apprenons comment les choses se passent. Ça veut dire aussi qu'il s'accorde le droit à l'erreur. Bon, on se souvient quand même que la saison dernière, très rapidement dans la saison, il avait parlé de promotion et finalement a appris de cette expérience-là aussi. Voilà, mais cela dit, il avait parlé de promotion, sachant très bien que ça restait un objectif prioritaire pour Servette et il finit par l'atteindre l'année suivante. Voilà, ça peut arriver aussi. Voilà, Servette, l'année dernière, tombe sur un très très bon Xamax. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a aussi des choses qui ont été mises en place cette saison, qui sont cette cellule de recrutement. On est allé chercher des gens aussi qui sont expérimentés dans le football. On est allé rechercher des tauliers dans chaque ligne. Ça aussi, bien sûr, c'est ce qui fait le petit plus de cette saison, Nicolas. Mais ça ne se programme pas. Déjà, première chose, d'une promotion. Servette a peut-être la saison passée, pour rebondir sur ce que dit Julien, était un peu a mis la charrue avant les bœufs, a appris, a très bien appris, et a fait un recrutement et a mené de l'entraîneur aux joueurs qui ont été choisis une campagne qui est tout simplement remarquable. Il n'y a pas de discussion possible sur l'identité, est-ce que c'est mérité ou pas. Oui, Servette était clairement la meilleure équipe cette saison. Lausanne est passée un peu au travers, mais Servette était vraiment un cran en-dessus.
Servette qui tire les expériences de la saison dernière, mais également de l'expérience xamaxienne, Claude, avec le président Fischer, qui dit également il va me falloir maintenant un patron par ligne, des vrais renforts. Il y en a quand même quelques-uns des joueurs dans cette équipe actuelle qui ont le calibre de Super League. Oui, je pense que le recrutement va être difficile parce que le joueur, un joueur par ligne, il faut vraiment que ce soit supérieur. Parce que prendre un joueur qui sera du même calibre, ça ne sert à rien. Donc un joueur supérieur par ligne, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de qualité dans cette équipe genevoise. Donc il va falloir trouver le bon joueur à mettre au bon endroit et à la place de qui surtout. Donc bien sûr, il faut se renforcer, mais avec un milieu de terrain déjà qui est de super qualité, par exemple, ce n'est pas facile à trouver qui va mettre à quel endroit. Et après, il faut trouver l'argent, il faut trouver le joueur qui va correspondre. C'est un recrutement qui ne sera pas facile. Et c'est un recrutement estival qu'il ne faut absolument pas louper. Mais je trouve que renforcer cette équipe, ce n'est pas évident parce qu'il y a peu de postes où vraiment il y a de la faiblesse. Donc renforcer, oui, mais ça ne va pas être évident pour eux. Des meilleurs joueurs que ceux qui servent actuellement, il en existe. Après, tout est une question de budget. De cohésion, de cohérence avec ce que vous voulez amener, ne pas tout chambouler, de garder cet esprit de cette équipe qui a fait la promotion. Voilà, c'est pas évident. Il faut regarder la qualité du joueur, son côté humain, qui est très important dans le recrutement. Et le choix du joueur, un par ligne, oui, mais ça va pas être facile à le trouver, à mon avis. Steven, les tauliers qui font finalement ce Servette FC cette saison et qui ont accédé à la promotion, qui sont encore la plupart sous contrat. Hein. Quand je dis les tauliers, je parle de Frick, Routis, Rouillé, Sautier, Makopi, Stevanovic, vous, Chaga, Schalke, Kone, c'est des gens qui vont rester au bout du lac J'espère bien. C'est difficile pour moi de répondre à cette question, mais oui, normalement oui, les joueurs sont sous contrat. Pour les trois, enfin pour pratiquement tous les joueurs, ils ont fait une grande saison, donc ils méritent leur chance dans l'élite. Après, c'est toujours la question, quand on change de ligue, on a souvent l'impression qu'il faut tout chambouler. Bon, ça sera au président, au coach et au staff technique de répondre à cette question, mais je pense que tous les joueurs ont mérité leur place et ont mérité de prouver leur valeur dans l'élite, oui. Dans cette liste, il y a quand même un nom qui manque et qui, pour moi, est primordial. C'est Konya. Son rôle a été énormément sous-estimé. Et je pense que la priorité pour Servette, dans l'effectif actuel, ça serait de garder Konya. Bon, ensuite, au prochain épisode, on aura évidemment l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Un mot à présent au sujet de ce Lausanne Sport qui a montré vendredi ses limites. Ce qu'on craignait est arrivé. Haro est passé à la deuxième place ce week-end, à 3 journées de la fin du championnat. Les Vaudois sont à une longueur de la place de barragiste. Messieurs, y croyez-vous encore? Moi, j'y crois encore. Enfin, c'est en tant que Servettien, c'est difficile de m'exprimer, mais en tant que joueur romand, bien sûr, il faut que le Lausanne Sport monte en Super League à la place d'un club alémanique, parce qu'on est déjà en infériorité par rapport à eux. Donc c'est vrai que ça serait bien pour nous, football romand, que les 4 clubs soient dans l'élite. Et j'espère vraiment qu'ils vont accrocher les barrages. Après, on sait qu'il y a Xamax et Sion qui ne sont pas très très bien en Super League, donc ça risque de toucher un club romand. Mais moi, j'espère que Lausanne va faire les barrages et va éliminer un club suisse-allemand. On en parle dans un instant de Xamax et de Sion. Julien, je vous vois faire un petit peu la moue, vous n'êtes pas d'accord avec Steven? Non, mais évidemment, il y aurait quelque chose de cocasse de voir deux clubs zurichois, enfin plus aucun club zurichois en Super League et puis 4 clubs romands en première division. Mais la dernière fois qu'on a vu 4 clubs romands en première division, ça s'est quand même mal terminé. Fini, hein. Donc moi, je me réjouis un peu moins, disons. Mais c'est encore ouvert, évidemment, même si je crois, il me semble que Haro a un calendrier légèrement, mais très légèrement favorable par rapport à celui de... Kriens, Chiasso et Rapperswil, tandis que le LS reçoit Schaffhouse, se déplace à Kriens et va à Vaduz. C'est à chaque fois deux engagés contre la relégation et c'est, la différence, c'est que voilà, Lausanne termine contre Vaduz, ce qui est un peu moins facile que... Mais ils ont quand même des qualités, même s'ils nous ont déçus quand même globalement tout au long de cette saison. Et particulièrement vendredi, messieurs, on se souvient de Giorgio Contini qui disait après la défaite contre Haro, mes joueurs doivent oublier ça directement pour aller à Genève en mode guerrier. Après la rencontre et la défaite, Giorgio Contini qui déclare dans la tête on n'était pas prêt. Franchement, est-ce que c'est pardonnable?
Ah ouais, Claude, il faut... Claude, pas de quoi il voulait parler, à quel niveau ils n'étaient pas prêts. Parce que si on n'est pas prêt sur un match comme ça, où c'est à la vie, à la mort, je ne sais pas quand on est prêt. Alors maintenant, je ne sais pas de quoi il parlait. Si c'était la préparation de la semaine, c'était la préparation du match, ils n'étaient pas prêts mentalement, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le vestiaire, j'étais surpris de cette phrase. Alors manifestement, c'est mentalement, puisqu'il dit dans la tête, on n'était pas prêt. Ah, alors s'il dit dans la tête, on n'est pas prêt, ben, ils ne le seront pas. Alors c'est un problème mental et vous l'aurez du début de saison à la fin de la saison, si vous n'avez pas ces joueurs qui sont prêts à jouer ce genre d'événement. Donc, c'est compliqué, on en a parlé, j'ai vu Thomas Castella à l'interview après le match, ils avaient l'air, alors ils n'étaient pas prêts avant le match, mais après le match, ils étaient clairement abattus, ce que je peux comprendre. Et moi, c'est ça qui me fait peur aujourd'hui, parce que c'est encore jouable. Il faut oublier, alors c'est clair, si on regarde la saison qu'ils ont fait, ils ne devraient pas être là, ils ne devraient pas être à cette troisième place, mais ils y sont. Mais maintenant, c'est encore jouable, parce qu'à Rouen, peut perdre des points dans cette Challenge League, souvent les équipes perdent des points où on ne s'y attend pas. Servette, je crois que vous avez perdu à Casso, sauf erreur. C'était un match de reprise, mais ils peuvent trébucher. Mais Lausanne, dans le même temps, faire les 9 points. Ouais, mais Lausanne peut aussi trébucher. Lausanne peut aussi trébucher. Actuellement, je donne plus de chances à Lausanne de trébucher qu'à Aro. Bien sûr, mais Lausanne, ils ont déjà trébuché, puisqu'ils sont 3e et à 3 matchs de la fin. Aro, c'est pas Manchester City non plus. Bon, mais la fin, et quand même, Aro, les 22 derniers matchs, c'est une seule défaite pour 16 victoires et 5 matchs. Oui, bah, ils peuvent très bien perdre les 3 derniers aussi. Maintenant, c'est à eux de servir pour le match, c'est plus Lausanne, c'est à eux. Est-ce qu'ils vont avoir le bras qui va trembler? Chasser, c'est une chose, être chassé, c'en est une autre. Mais Lausanne, faut qu'ils fassent déjà les 9 points. Et après, ben, ils sont obligés d'attendre. Mais voilà, c'est encore jouable. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après, il y aura quand même un match, même s'ils y arrivent, un match de barrage qui sera compliqué à gérer dans l'état de forme où ils sont. Bon, clairement, si Lausanne finit 3e cette saison alors qu'il était grand favori et qu'il avait l'intention de remonter directement, on peut considérer que c'est un échec. Ben, franchement, même ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est pour l'instant un échec. Faut être clair, Lausanne devait être à la place de Servette. Et Lausanne est bien largement derrière Servette. Donc Lausanne peut sauver sa saison en étant promu. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais on est en train de parler de sauver sa saison. Mmh. Heureusement qu'il y a le barrage. La saison passée, Lausanne serait dans un no man's land. La saison serait jouée. Il y a le barrage qui a remis de l'intérêt à cette fin de saison, que ce soit en haut ou en bas, en Super League ou en Challenge League. Mais soyons francs, il y a une année en arrière, on parlait d'un énorme échec pour Lausanne. Très clairement, Steven, si Aro avait commencé la saison dans la forme dans laquelle ils sont actuellement, on n'est pas sûr que Servette serait promu actuellement. Mais bon, avec des 6, avec des 6, ouais. Ouais, ils avaient 6 matchs, 6 défaites, je crois. Bah, heureusement, mais c'est vrai qu'ils reviennent fort. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit avant. Pourquoi Lausanne aurait dû être devant Servette? Enfin, OK, ils ont un plus gros budget, mais je trouve qu'ils se sont mis pas mal de pression avec, dans leur communication, parce que pour eux, c'était la montée ou rien, enfin, la première place ou rien. Nous, on a fait notre petit bonhomme de chemin derrière eux. On n'a pas trop parlé dans les médias, et sur ça, je pense qu'on a été plutôt intelligents. Voilà. Après, à Rouen, oui, heureusement qu'ils ont perdu pas mal de points au début de championnat, mais moi, je vois quand même Lausanne passer devant à Rouen sur les 3 derniers matchs. Bon, réponse très vite, finalement. Ah, bon, ouais. Ça, c'est le suspense, c'est quand même jusqu'au bout. On ne peut pas leur reprocher d'avoir annoncé en début de saison qu'ils visaient le maintien. La promotion, pardon. On ne peut pas leur reprocher ça, c'est logique, c'est ce qu'on attendait de... La déception vient du fait que Lausanne Sport ne se comporte pas comme on espérait qu'il se comporte, c'est-à-dire comme une équipe conquérante qui a le premier budget, qui va chercher la promotion. Après, s'ils finissent 2e et qu'ils ne montent pas parce qu'ils perdent le barrage, ou même s'ils finissent 3e, c'est un échec sportif. C'est pas non plus... On va pas les brûler en place publique non plus. Ça arrive une saison qui se passe moins bien. Mais par contre, il faudra très rapidement tirer les conséquences de ces erreurs et apprendre pour l'année prochaine. Bon, les Romains font eux aussi l'actualité en Super League. C'est le moment de la deuxième causerie de ce match après match. Et on va attaquer avec une annonce qui a déjà été faite mardi dernier, mais il s'est passé tellement de choses dans la semaine qu'on a l'impression que ça date déjà d'il y a 2 mois. Je souhaitais quand même y revenir avec vous, messieurs. C'est Mourad Yakin, 49e entraîneur licencié sous l'ère Constantin, encore un, puis on va pouvoir fêter un jubilé. Non, plus sérieusement, le président qui a décidé de mettre son entraîneur en vacances anticipées, à cause évidemment des résultats, mais il l'a déclaré dans la presse, à cause également de l'absence de son entraîneur aux mises au vert. Une réaction ? Pfff.
Très bien, on retiendra ça. Mais... Moi, je m'interrogeais énormément sur l'attitude de Mourad Yakin à la tête de cette équipe. Il y a quand même des épisodes qui étaient très surprenants. Ne serait-ce que le nombre de séances d'entraînement qui étaient au programme de la semaine. Enfin, en gros, les mecs, ils préparaient leur match en s'entraînant une heure et demie. C'était déjà en vacances depuis des semaines. Ils terminaient le samedi, ils se revoyaient vaguement le mercredi, et puis peut-être le jeudi, ils faisaient une partie de cartes, et puis après, ils repartaient au match. Enfin, il y avait quand même un dilettantisme qui pardonne pas à ce niveau-là, parce que vous pouvez avoir un effectif... avec certaines qualités à l'intérieur, enfin, si vous travaillez pas à fond toute la semaine, les autres ils vont pas vous faire de cadeaux et puis on voit ce que ça donne. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que au mois de janvier ou février, Christian Constantin décide de prolonger de 2 ans ce contrat, alors que les résultats n'étaient pas flamboyants déjà à ce moment-là. Yakin a beau être, selon les dirigeants valaisans, le meilleur entraîneur depuis 2010 en Suisse, on ne le voyait pas sur le terrain. C'était un entraîneur qui cherchait encore son système, qui cherchait encore ses joueurs. Et la plus grande surprise a été à ce moment-là, qu'aujourd'hui, il soit envoyé en vacances ou limogé, ça sera peut-être le prochain pas, le limogeage, c'est plus surprenant, c'est avant qu'il y ait eu les surprises. Claude, comment on explique un entraîneur, enfin, Mourad Yakin, il y a quand même un CV considérable, il y a un parcours, un sérieux qu'on connaît, il était annoncé effectivement Valais comme le meilleur entraîneur de Suisse, ces entraînements sporadiques, ce fait de s'être tellement longtemps cherché dans son équipe, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas, le CV, ça, c'est pas un gage de travail, un gage de rigueur, je crois que c'était tout sauf le cas. De nouveau, je suis pas à l'intérieur, je veux pas trop parler, mais c'est vrai que cette session avec Yakin était surprenante, mais surprenante de tristesse surtout, de jeu. Il se passait rien, il y avait des changements tout le temps. Je pense que le président a dû mettre un frein à tout ça pour une fois trouver une stabilité. Mais Yakin, on connaît, meilleur entraîneur de Suisse, je sais pas qui l'a dit. C'est un petit peu subjectif. C'est un entraîneur qui a un système toujours très défensif, très rigide défensivement. Offensivement, il ne se passe jamais grand-chose. Après, il arrive avec une équipe qui n'est pas non plus très équilibrée, un groupe qui n'est pas équilibré. Il y a eu combien? Plus de 30 joueurs utilisés. Je pense qu'on est même plus près des 40, je ne sais pas. Il y a eu tellement de joueurs utilisés par Sion. Mais on sent qu'il n'y a pas une structure d'équipe. Ce groupe n'a pas été créé de manière intelligente. Donc, il y a beaucoup de joueurs au même profil, des joueurs qui manquent au poste important. Donc, ce n'était pas facile pour lui non plus. Mais peut-être qu'il aurait fallu laisser... continuer à travailler Jacobacci, qui faisait malgré tout du bon boulot, parce qu'une année après, on se retrouve à 3 journées de la fin avec Sion en danger, comme la saison passée, et il y a de nouveau eu 2 changements d'entraîneur, donc les problèmes sont les mêmes, les choix sont les mêmes, les décisions sont les mêmes, et puis en résultat, on arrive au même résultat, donc un Sion en grand danger aujourd'hui, parce qu'il y a un match de mercredi qui va valoir son pesant de cacahuètes, comme on dit. Je suis désolé, mais le CV de Mourad Yakin n'y a quand même pas que du positif. À Guetze, sa dernière expérience, ça a été plutôt compliqué. En Russie, avec le Spartak Moscou, ça ne s'est pas très très bien passé non plus. Donc oui, Mourad Yakin a eu certaines belles prestations, de beaux résultats, mais pas que. Et ça, on l'a peut-être oublié en Valais. Quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin de la saison, c'est le duo Zermatten-Bichard qui prend en charge l'équipe avec l'appui de Christian Constantin. Première sortie, première défaite, c'était ce week-end face à Saint-Gall. 2-1, Sion qui désormais n'est plus qu'à 1 point de la place de barragiste. On va écouter les propos de Christian Constantin qui expliquait cette semaine à Sébastien Clément son intention de remettre de l'ordre dans son équipe. Ah, déjà, mettre de l'ordre dans cette équipe, arrêter de réinventer la roue qui est comme elle est, ça veut dire que les joueurs doivent jouer dans leurs positions respectives. 2, travailler tous ensemble. Je peux pas avoir des types en rentrant de Zurich, ils étaient 7 dans le cas, parce que tout le monde a eu des autorisations de partir d'un côté de l'autre, y compris le staff. Donc c'est une affaire de mettre de l'ordre, remettre de l'ordre dans la gestion du groupe et mettre de l'ordre sur le terrain. Ouais, remettre de l'ordre sur le terrain, peut-être avant tout, puisque c'est ça qui compte. Steven, c'est vrai que de ne pas jouer dans sa position naturelle, ça a été le cas de beaucoup de joueurs cette saison à Sion, c'est vraiment compliqué. C'est vrai, mais ça, c'est la patte Mourad Yakin. J'en suis témoin à Chafouz, moi qui joue sur le côté gauche, il m'a repositionné en attaque. Ça s'était bien passé. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu
son plan. Il aime bien un peu dézoner les joueurs pour les mettre dans de nouvelles positions. En l'occurrence, là, à Sion, ça ne s'est pas très, très bien passé. Donc, voilà. Et là, il était, entre guillemets, pas encore limogé, mais il est sur la touche. Il faut que Sion réagisse absolument mercredi s'ils ne veulent pas subir, malheureusement, les barrages. La nonchalance sur les rendez-vous pour les entraînements, etc., vous l'avez aussi connu à Schaffhouse avec Yakin ou pas du tout? Non, ça, je ne l'ai pas connu, par contre, parce que... Il était plus près de Zurich. Hein. Voilà, exactement. Je sais qu'il habite à Zurich. Apparemment, il était souvent en déplacement à Zurich pendant la semaine. C'est vrai qu'avec Christian Constantin, ça passe pas très bien. Mais moi, j'ai souvenir d'un coach vraiment exceptionnel. Parce que ça s'était bien passé pour nous, justement. Mais apparemment, la mayonnaise n'a pas pris à Sion. Bon, c'est vrai qu'on avait eu des retours de joueurs qui disaient que c'était un homme vraiment humain, avec qui c'était facile de communiquer, etc. Mais bon, pour le coup, il a des vacances un petit peu anticipées. On va parler, avant d'aborder le derby de mercredi, de Xamax, bien sûr, qui, de son côté, a manqué ce week-end l'occasion de quitter la place de barragiste, avec la réception de Zurich, place de barragiste que les Neuchâtelois occupent depuis la 21e journée. Ils se sont inclinés 2-1 contre le FCZ. Compte tenu de la forme actuelle, les Neuchâtelois peuvent quand même avoir des regrets. Évidemment. Et je pense que c'est une défaite qui peut faire très très mal à Neuchâtel. On approche vraiment de la fin de la saison. Il y avait cette opportunité de enfin quitter cette place de relégable ou de barragiste. Et dans les circonstances, Xamax a pu se voir 8e parce que Xamax a mené. Et encaisser deux fois comme ça dans le dernier quart d'heure, ça peut faire très très mal au Ciboulot. C'est arrivé la même chose à Zurich. Ils menaient 1-0, ils ont pris 2 goals en fin de match. Les deux précédentes confrontations contre Zurich, exactement la même chose. 2 buts très rapprochés, là les deux mêmes en plus, avec le même buteur, la même passe en rétro en 6 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le foot. C'est vrai, c'est ça. Pas tout expliquer, mais Neuchâtel... L'objectif, depuis que Stéphane Auchon a repris, c'était la place de barragiste. C'était l'objectif qui était déjà quasiment impossible. Donc, ils sont dans l'objectif. Je pense que le match de mercredi, la pression sera vraiment sur Sion, parce que Neuchâtel, s'il reste barragiste, ils sont dans une bonne dynamique. Ils s'attendaient à cette place. C'était leur souhait. Il faut dire que Sion n'est pas préparé à ça, ou du moins pas en début de saison. Donc, je pense que Xamax, il n'y a pas de panique à bord. Ils sont dans l'objectif, ils sont dans le tir. Ils sont déjà, je ne peux pas dire miraculés d'être là. Donc, pour moi, ils peuvent faire le truc mercredi. Compte tenu du nombre de contrats de joueurs qui arrivent à échéance à la fin de la saison, compte tenu du fait qu'on a remercié déjà Stéphane Anchaud en vue de la saison prochaine, est-ce que se sauver sans passer par les barrages, se maintenir d'emblée dans la Super League, ce ne serait pas un peu déjouer les plans du club qui, depuis le début de l'année, prévoit clairement un retour en Challenge League? Ça risque de compliquer un peu quand même la donne. Alors c'est toujours mieux d'être en première division qu'en deuxième, mais c'est vrai que si l'idée c'est de lancer des jeunes, la Super League, c'est quand même compliqué de lancer une équipe de gamins. Voilà, donc c'est un budget qui... Voilà, il faut pas plancher sur le même budget, il faut pas, parce que l'idée c'est pas non plus de terminer dernier avec 3 points à la fin de la saison. Là c'est quand même une catastrophe pour un club. Donc peut-être que ça obligera le président Bengli et puis son équipe à revoir un petit peu la copie, ou à peut-être aller moins dans l'extrême du projet qui était le sien. Mais en même temps, à l'inverse, rester en Super League, c'est aussi un intérêt plus important des sponsors, c'est aussi plus de droits TV qui rentrent, c'est aussi... Je pense quand même que c'est mieux de se maintenir que d'être relégué. Mais c'est vrai que se maintenir, quand on était parti du principe que ça allait être compliqué de rester, ça oblige peut-être à retoucher un petit peu le projet. Mais ça, c'est quelque chose, je pense, que le président et toute son équipe feront avec un immense plaisir. Moi, je suis quand même convaincu que Xamax préférait rester, parce que quand on quitte une catégorie de jeu, on ne sait pas quand on va la retrouver. Lausanne est bien placée pour le découvrir, peut-être, cette saison. Donc je pense que Xamax a tout intérêt à tout faire, mais absolument tout faire pour se maintenir, quitte à vivre une saison compliquée avec la nouvelle stratégie dans quelques mois. Bon, en tout cas, le suspense promet d'être entier jusqu'à la fin. Bon, déjà mercredi, un match capital à 3 journées de la fin du championnat. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Steven, de cette affiche compte tenu de la forme actuelle des deux équipes? Ça va être un match... c'est une finale. Moi, je pense que ça va se terminer match nul et on n'en sera pas forcément plus avancé au final. Mais c'est vrai que malheur aux perdants, parce que si on venait à perdre là contre Neuchâtel, ça deviendrait compliqué quand même pour les Valaisans. En même temps, Neuchâtel est capable de tout. Hein. On l'a vu sur les derniers matchs. Il restait sur 6-7 matchs sans défaite.
C'est assez remarquable ce qu'ils font dans ce deuxième tour. Ils sont en train de chambouler tout le championnat et vraiment chapeau à eux. Ils avaient gagné d'ailleurs le dernier derby. C'était, selon les propos de Mourad Yakin, le match qui lui avait fait faire un déclic par rapport justement au fait de donner un peu de constance à son équipe. Il a peut-être provoqué le déclic. Sans doute. Bon, bah depuis, de toute façon, Mourad Yakin n'est plus sur le banc. La fin du calendrier, elle est intéressante pour les deux équipes. Xamax qui reçoit Lugano, particulièrement en forme, qui se déplacera à Bâle. Sion qui va à Zurich pour affronter Getse, qui reçoit Thun. Calendrier peut-être plus facile pour les Valaisans ? Pour les Valaisans, c'est un peu plus favorable, effectivement. Ouais. Là, le président Constantin espère peut-être justement que tes 25 abrutis ne sont pas encore interdits de stade. Juste j'allais pas. Y venir, hop là, comme ça, ça passe. 3-0 à Gaeté, non, déjà, donc ça sera... Suivant comment, ça va jouer à huis clos, parce qu'il y avait un sursis par rapport aux incidents. Et si les décisions sont prises rapidement... Oui, alors la Swiss Football League, les décisions rapides... Raclette gratuite, c'est pas... On a toujours le recours de Casson, on n'a toujours pas de réponse à 3 matchs de la fin, s'ils vont récupérer 3 points. Je pense que ça aurait été intéressant de le savoir déjà avant cette journée-là. Donc, on ne sait toujours pas si Casson va gagner son recours. Donc, voilà, donc pour dire que voilà, ça sera, pour être sérieux, Sion a un calendrier plus favorable. Mais ils ont déjà ce match à la maison devant leur public contre Neuchâtel qui doivent déjà gagner. C'est compliqué, parce oui, mais ça va être un match extrêmement psychologique. Non, mais ça va être un match, là, on parle de finale, ça va être un match où peut-être que c'est plus la tête qui va jouer que le reste. Et là, comme ça, a priori, on se dit que Xamax est mieux armé, vu ce qui est en train de se passer. Donc, Mais il y a plus de pression à Sion, c'est clair, on le sait, le président Christian Constantin qui est un président emblématique, il va pas accepter que le FC Sion fasse les barrages à Neuchâtel. Alors, le film de la coupe avant le derby. Au pire, ouais. Ça marche toujours. Neuchâtel, pour eux, c'est presque un miracle déjà d'être en barrage. Donc pour eux, à mon avis, ils vont être beaucoup plus libérés que le FC Sion. Mm. Bon, on se réjouit de suivre ça avec un dispositif spécial. Claude, on sera ensemble sur ce plateau. Ce sera bien sûr mercredi dans le cadre de la 34e journée de Super League qui se déroule donc en semaine. Il est temps, messieurs, de marquer une courte pause avant notre troisième causerie. Ce sera question évidemment de cette semaine européenne de dingue qu'on vient de vivre. Une petite pause et on revient juste après. À tout de suite. Vivez le championnat du monde de hockey sur glace sur Téléclub. 57 des 64 matchs de la compétition sont à suivre en direct. Et pour ne rien manquer de la journée, retrouvez le replay dès 23h sur Téléclub Zoom. Toute la Raiffeisen Super League, c'est seulement sur Téléclub Sport. Qui aura sa place en Europa League? Qui devra sauver sa peau dans un barrage de tous les dangers? À 3 journées de la fin du championnat, tous les clubs ou presque sont concernés et il ne faut rien lâcher. Ne manquez rien de la 34e journée, mercredi et jeudi, en direct sur Téléclub Sport. La Raiffeisen Super League sur Téléclub. Présentée par Raiffeisen et Blic. De retour dans Match après Match pour la suite et fin de notre émission, toujours en compagnie de nos 4 invités. Steven Lang, désormais champion de Challenge League avec le Servette FC. Julien Pralon, rédacteur en chef des sports Keystone et ATS. Claude Gross, notre consultant. Et Nicolas Menec pour la rédaction de Téléclub. On va passer tout à l'heure à la troisième causerie de cette émission. Mais avant cela, une petite pause encore avec le coupeur de citron. Et cette semaine, il s'est passé des trucs de fou dans le monde du foot. Mardi, en Ligue des Champions, Liverpool s'est qualifié face au FC Barcelone. Alors, je vais pas vous le cacher, je suis un grand fan de Liverpool. Du coup, mercredi matin, j'avais plus de voix. Barcelone avait gagné 3-0 au match aller, mais les Reds de Liverpool se sont qualifiés en gagnant 4-0 au match retour. Ça, c'est une remontada. Je dirais même que c'est une Redsmontada. Ou encore une Demonstrada. Ou même une Gymnastrada. Non. Là, je crois que je m'emballe un peu. Les Barcelonais étaient sûrs de se qualifier. C'est un peu comme quand t'es avec une fille, que t'as tout bien fait. Cinéma, resto, tu la ramènes chez elle. T'es à deux doigts de conclure. Deux doigts, façon de parler. Et qu'arrivée devant sa porte, elle te dit « Merci, bonne soirée !» C'était de la pure folie. J'étais tellement heureux que j'en ai oublié les 15 passes ratées de Shaqiri pendant le match. Et Ter Stegen qui disait que le FC Barcelone, c'était pas comme le PSG. Mercredi, c'était fou aussi. Tottenham s'est également qualifié pour la finale. Lucas Moura fait péter le verrou hollandais.
Il a planté un triplé. Alors pour ceux qui disaient que le PSG a souvent fait des erreurs sur le marché des transferts, eh ben là je crois que c'est clair. En Europa League, la finale se jouera entre Chelsea et Arsenal. Il y a 4 clubs en finale européenne cette année. Et 3 de ces clubs viennent de Londres. En Suisse, on n'a même pas une seule équipe qui passe le premier tour. Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam est quasi champion. Quasi. Ouais, comme ils étaient quasi en finale Ligue des Champions. Aux États-Unis, Zlatan Ibrahimovic a écopé d'une amende pour simulation. Heureusement qu'ils en mettent pas à chaque fois. Sinon, ça ferait longtemps que Luis Suarez serait à la rue. Alors, pour vous, quelle équipe soulèvera la coupe aux grandes oreilles cette année? Laissez-moi deviner. Un club anglais? Bon, on prend vos pronostics dans un instant, hein, messieurs. Avant cela, on lance la troisième causerie consacrée à l'Europe. Alors clairement, les matchs de la semaine ont été à la hauteur des espérances des amoureux de football que nous sommes. On va aller dans l'ordre avec cette extraordinaire remontada de Liverpool mardi contre Barcelone. Sincèrement, qui aurait parié là-dessus, messieurs? Soyez honnêtes. Personne. Non, c'est exceptionnel ce qui s'est passé à Liverpool. D'ailleurs, les fans le disaient, si un miracle doit se produire, c'est Anfield. Il n'y a que là-bas où il peut se passer quelque chose. Moi je ne mettais pas une pièce sur Liverpool, et quand je regardais même pas le match d'ailleurs, pour être honnête. Sérieusement? Quand j'ai vu sur le live score qu'il y avait 2-0, j'ai dit ok, bah, peut-être que je vais commencer à regarder le match. Non, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, il y a que le football pour... Vous aviez le choix entre l'une ou l'autre des soirées de Ligue des Champions avec madame, vous aviez choisi mercredi, tout le monde a fait ça, non? Top Chef ou Liverpool? C'est Top Chef au début, non mais c'est exceptionnel, c'est ça qui est beau dans le foot, il n'y a jamais rien qui est écrit à l'avance. On reviendra sur ce quatrième but tout à l'heure, mais peut-être pour parler vraiment juste exclusivement de la partie, est-ce que Barça, Claude, s'est peut-être pas déplacé à Anfield avec un excès de confiance? Je sais pas. L'excès de confiance, on l'avait tous, puisque personne n'avait mis une pièce sur Liverpool. Vous non plus, vous n'avez pas regardé? J'ai loupé un bout. Plaisanté, en fait. Je me suis assoupi. On est trois. Hein. Je me suis assoupi. Mais j'ai des grosses journées. On comprend, pas de soucis. Un mardi, on écoutez, avait dit pas de mensonge. Non, je pense que c'est Liverpool capable de mettre un, deux buts, de faire douter Barcelone, mais qu'à la fin, Barcelone allait de toute façon marquer un but. Et de là, ça serait impossible de se qualifier. Donc je pensais que Liverpool pouvait les gêner, mais je ne pensais pas que Barcelone ne marquerait pas. Donc j'aurais pas misé sur Liverpool. Nicolas? Non, même si Barcelone devait être conscient, parce que c'est ce qui leur est arrivé l'année passée. On se disait que chat est chaud et craignait l'eau froide, mais manifestement. Mais moi, c'est plus que Liverpool, c'est Barcelone qui m'a surpris. De passer à ce point-là, de se faire manger à ce point-là. Je pensais que cette équipe avait quand même suffisamment d'expérience pour éviter ce genre de choses. Et c'est plutôt ça qui m'a surpris, plus que la prestation de Liverpool. C'est vrai qu'on les a vus éteints. Un mot quand même, on se concentre évidemment davantage sur les joueurs suisses. Hein. Il n'y a pas que Shaqiri dans cette équipe de Liverpool, mais si les Barcelonais sont passés à côté, Shaqiri aussi n'a pas vraiment flambé, en tout cas en première période. C'est un petit peu rattrapé après la pause. Première mi-temps très difficile, ça c'est sûr. Deuxième mi-temps, à peine mieux. Effectivement, il y a ce centre qui rattrape un peu le bilan, mais non, il n'a pas les jambes pour jouer ce match-là, en fait. Je pense que c'était clair. Il n'a absolument pas au niveau physique là pour disputer une rencontre d'une telle intensité. Pas actuellement. Il n'a pas les jambes pour disputer un match comme ça. C'était compliqué pour lui. Hein. Il était sur, je crois, 8 matchs où il est resté sur le banc. Il était juste entré peut-être 5-10 minutes le match d'avant. Et là, il est plongé dans une demi-finale de Ligue des Champions face au grand FC Barcelone. Je pense que n'importe quel joueur aurait eu un manque de rythme à ce moment du match. Oui, avec Jordi Alba en adversaire direct, qui lui, en l'occurrence, a les jambes. Donc voilà, il n'était pas prêt pour un match comme ça. L'épilogue de Premier League, lui, il a eu lieu ce week-end. Hein, Liverpool qui n'a rien pu faire. City qui conserve sa couronne de champion. Les Reds qui vont peut-être pouvoir prendre leur revanche avec cette finale perdue l'an dernier. On va, je vous l'avais promis, revenir sur le quatrième but des hommes de Klopp face à Barcelone, synonyme de qualification pour cette finale. Évidemment, il a fait le tour du monde. On va s'y attarder un petit peu. C'était la 79e minute, un ballon qui est évacué du terrain très rapidement et Alexander-Arnold qui joue vite, à ras de terre, envoyant Rigi seul en plein axe, libre de tout marquage. Franchement, c'est du génie, non? Ça a été entraîné à l'entraînement à votre sens?
Bien sûr que non. C'est l'intelligence d'Alexander Arnold. C'est l'intelligence aussi, on ne l'a pas suffisamment dit, du ramasseur de balles qui a très vite redonné le ballon pour permettre cela. Et c'est aussi le mental défaillant du Barça qui était on ne sait où. Ce niveau de compétition, faire quelque chose comme ça, moi j'ai plus vu ça depuis les juniors C. Hein. Oui d'accord, mais cela dit, peut-être quand même que quand à l'analyse vidéo, ils se rendent compte que le Barça régulièrement met un peu de temps à se placer sur corner ou est pas très attentif, je sais pas, mais c'est possible. J'ai jamais vu ça. Hein. Non, d'accord, mais cela dit, je suis tout à fait d'accord, l'implication, le manque de concentration, mais là, le Barça, ils ont déjà pris une maison sur la tronche. Hein. Je veux dire, ils mènent 3-0, c'est impossible que les autres reviennent, sauf qu'il y a 3-0 aussi. Donc là, c'est sûr que là, ils sont déjà assommés. Non, mais il y a beaucoup de malice, là. On voit, parce que c'est bien sûr pas préparé. Mchakiri, il n'a pas regardé, il venait tranquillement. Et il voit que le joueur est libre, parce que Barcelone, pensant que c'est Mchakiri qui va le tirer, on voit qu'ils sont encore en train de se placer. C'est beaucoup de malice, c'est de l'intelligence. Ça me plaît beaucoup, quoi. Mais on en parlait avec Bernard Chalande le mercredi, lui qui était sur notre plateau de Ligue des Champions. Il disait, je ne sais pas dans quelle mesure c'est pas forcément travaillé, parce qu'il disait, j'ai conseillé à des joueurs de feindre, de venir douce. Vers le ballon pour le botter et puis finalement c'en est un autre. Et puis Origi fixe Alexander Arnold tout le long, c'est-à-dire qu'il marche mais il le regarde, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors je dis pas, c'est pas forcément ce schéma-là, mais peut-être que Klopp a glissé dans la semaine, allez, quand même jeter un coup d'œil parce qu'ils n'ont pas l'air d'être super, super rapides sur corner ou au replacement, c'est possible. Steven, c'est des petites feintes qu'on peut exercer et entraîner dans une équipe? Bah, je pense que connaissant... Ouais, t'es un joueur vicieux, toi, tu dois faire des trucs comme ça. Malin. Non, mais... vicieux, on peut le dire. Jürgen Klopp, ça m'a l'air d'être un coach exceptionnel, donc ça ne m'étonne pas qu'il en ait parlé avant le match à son équipe, peut-être. Comme vous l'avez dit, pas ce schéma-là, mais il était peut-être au courant que les Barcelonais n'étaient pas forcément attentifs sur les coups de pied arrêtés. Mais voilà, on le voit, une connexion entre deux joueurs, un regard, et ça élimine le grand FC Barcelone. En tout cas, ça va sans doute inspirer certaines équipes, hein, que ce soit dans n'importe quel niveau de compétition. C'est une faute professionnelle, messieurs, du Barça. On parlait de remontada avec le PSG. Là, il y a quand même eu la Roma, puis Liverpool. Ce Barcelone, c'est plus le même qu'à l'époque, quand même. C'est des cycles. C'est Barcelone qui est un peu... Ils sont demi-finalistes. C'est dur de dire qu'ils sont un peu moins bien. C'est des cycles. Là, c'est Liverpool. Peut-être que l'année prochaine, Liverpool passe pas la phase de groupe. Et puis, on fait tout un... des histoires sur le niveau de Liverpool. C'est dur de parler de cycle quand même, parce qu'après le match aller, Barcelone, c'est tout sauf une équipe en fin de cycle. Après, il y a ce match contre le Celta où on met l'équipe C. C'est quand même, ce genre d'épisode se répète de plus en plus. On voit aussi la deuxième demi-finale le lendemain. Enfin, moi qui étais devant mon écran pour taper les deux textes, je peux dire que le jeudi, j'ai bien dormi. Hein. Parce que le contrôle A delayed, 3 minutes du bouclage des journaux, c'était assez sympa. Mais c'est quelque chose... En fait, il y a certaines équipes qui arrivent à mettre une telle intensité physique, qui arrivent tellement à dicter les rythmes, y compris sans ballon, qu'on atteint... On en arrive à des confrontations où c'est la forme du jour qui fait la différence. Où c'est l'intensité du jour qui fait la différence. Et... C'est compliqué de parler de fin de cycle parce que franchement une semaine. Non mais c'est pas une question de fin de cycle, c'est une question que. C'est ce que vous avez dit, Monsieur Menech. Alors je vais m'exprimer différemment. S'il vous plaît. Je vais m'exprimer différemment. On va pas se laisser faire. Hein? Non, c'est une question que peut-être une saison, deux saisons, trois saisons, comme on l'a vu avec le Real, tout fonctionne et après il y a un creux et Barcelone. Peut-être un léger creux, mais Barcelone va revenir. C'est tellement proche le niveau, il y a tellement de qualité dans chacune des équipes qu'au bout d'un moment, ça ne joue à pas grand-chose. Et puis, quand certaines petites choses ne vont pas, l'échec se fait ou l'élimination plus que l'échec en quart ou en demi-finale. Mais ça reste remarquable Barcelone en termes de constance. D'énormes occasions sur ce match. D'énormes occasions. Si vous mettez un ou deux, le match. Alisson fait le match. Hein. Alisson fait le match, donc on n'en parlerait pas. Alors voilà, il y a tout qui s'est... Alors ils ont pris un vent de face phénoménal. Ça mais arrive. En plus, et ben voilà, Alisson a été incroyable. Voilà, ça arrive, mais c'est vrai que ce stade est assez quand même magique parce que
ça pousse, mais d'une manière... C'est complètement dingue. Et je peux comprendre que les joueurs soient complètement transcendés. Et avec un entraîneur comme Klopp, effectivement, qui a l'air d'avoir une énergie à donner à ses joueurs, donc... Je pense qu'effectivement, tout peut arriver là-bas. Ce sera intéressant de voir cette finale entre ces deux clubs anglais. Hein, Tottenham qui a renversé la vapeur contre l'Ajax. Là aussi, qui l'eût cru, même s'il y avait un petit peu plus de suspense mercredi soir. Là, on peut parler quand même, compte tenu de la campagne de Tottenham, d'un vrai miracle. Bah oui, comme Liverpool au match retour. Là, c'est vrai que de marquer à la dernière minute, sachant qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, ou... Moi, le premier, hein. De toute façon, je suis un très mauvais pronostiqueur, donc à chaque fois... Vous avez préféré regarder Top Chef, encore ? Non, là, c'est... là, quand même, j'ai regardé le match. Non, mais c'est vrai que c'est exceptionnel d'être mené 2-0 à la mi-temps et de renverser un match face au grand Ajax actuel, parce que tout le monde est tombé amoureux de cette équipe d'Ajax cette année. C'est très fort, en plus, à l'extérieur. Non, c'est magnifique. Il a fallu faire des corrections dans ce texte-là aussi, Julien. Non, il me fatigue tout. la saison prochaine, c'est ski alpin pour moi. Deuxième manche à 13h, 14h, on est bien. Pour autant que les chronos soient correctement calibrés. Ouais, mais ça, on peut toujours rattraper tranquille. Mais quand même, messieurs, cet Ajax, cette saison, va laisser dans cette campagne européenne une trace indélébile. Oui, forcément, c'est ce qu'ils ont fait était incroyable. Mais ce qu'a fait Tottenham est aussi incroyable, parce que alors bien sûr l'Ajax, leur jeunesse, leur jouerie, leur jeu, ils nous ont émerveillés. Mais Tottenham, je vais vous faire une confidence. J'ai pas dormi mercredi, j'ai tiré les leçons du mardi. Donc mercredi à la mi-temps à 2-0, je vous regardais sur ce plateau avec Bernard Chaland, et j'étais pas tout à fait d'accord où il disait que Tottenham, c'était rien créé au premier mi-temps. Et je trouvais qu'ils avaient eu des opportunités, avec notamment Son qui a eu deux, trois occasions. Et j'ai lutté devant ma télévision pour tenir, parce que je pensais qu'en mettant un but, Tottenham, avec ses Anglais, il pouvait se passer quelque chose. Bah vous avez pas pensé qu'à la 96e, ils marqueraient 3-2. Là, ça va, t'as pas sommeil. C'est bon. Donc là, j'ai tenu. S'il vous plaît. Vous avez bien fait, puisque alors moi, j'ai fait tout le contraire de vous. Je vais vous raconter un petit peu ma vie privée. Je me suis endormie sur mon canapé à 2-2 dans ma tête. J'avais cette finale en tête, Liverpool-Ajax. J'y ai écrit 2 heures de plus que tout le monde, puisque je me suis réveillée à 1h30. J'ai découvert la notification push. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était moins fort. Nicolas, vous y croyez jusqu'au bout, vous qui avez commenté, je crois, cette rencontre. Vous les voyez venir, les Spurs ? On sentait qu'après les deux buts rapides de Lucas Moura, il pouvait encore se passer quelque chose. Et le mérite de Tottenham, c'est d'y avoir cru jusqu'au bout, même au-delà du bout. Parce que Tottenham fait une super deuxième mi-temps à l'aller déjà. On sent qu'il n'y a pas non plus un monde d'écart entre les deux équipes. Mais l'Ajax est entré en mode de gestion en deuxième mi-temps à Londres. Ils l'ont plutôt bien fait. Mmh. Ils ont peut-être pensé qu'obtenir une victoire, courte victoire, mais avec ce but à l'extérieur, c'était déjà une bonne opération. Plutôt que d'essayer d'aller marquer un deuxième but, éviter d'en prendre deux, partir avec un avantage à Amsterdam. Et ça s'est confirmé que c'était peut-être le bon choix pour 45 minutes. Après, des fois, le football... Il ne faut pas chercher à l'expliquer. Bah moi, je suis très content pour Mauricio Pochettino. C'est remarquable. C'est quelqu'un qui vraiment ne goûte pas du tout le foot anglais, qui le dit. Hein. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Le travail qu'il fait depuis des années, parce que là, on parle de construction sur le très long terme, quand même. Sans mercato, quand même, l'été dernier. Ce qu'il apporte à ce club, les conditions qu'il réunit pour que des joueurs, on parle beaucoup d'Eriksen, de Son, mais d'Ele Ali, moi, je me régale à voir ce joueur, il est partout, il sait tout faire. Enfin, voilà, je suis très, très content pour ce coach qui apporte énormément au championnat d'Angleterre, je trouve, depuis des années. Déjà, quand il était à Southampton, avant, voilà, c'est un entraîneur qui apporte énormément de choses à l'Angleterre. Et compliments tout de même à Ten Hag et à l'Ajax qui vont vraisemblablement, puisqu'on marche toujours sur des œufs, devenir champion mercredi au terme de la dernière journée divisée, puisque le PSV s'est incliné hier. On assistera donc à deux finales, que ce soit en Europa League ou en Champions League 100% anglaise. On va jeter un coup d'œil à la carte et à la provenance de 3 clubs londoniens et puis Liverpool évidemment. Voilà pour la finale de Champions League et pour celle d'Europa League qui mettra aux prises Chelsea à Arsenal. Chelsea qui a joué à se faire un petit peu peur. Arsenal qui a fait le job dans les matchs retour. Qu'est-ce que ça traduit, messieurs, cet historique 4 clubs du même championnat dans les deux finales. Est-ce que ça perd pas un petit peu d'intérêt? Désolé, Julien, mais ça traduit que le championnat anglais cette année est le meilleur d'Europe, tout simplement.
Moi, j'adore ce championnat. Je suis désolé encore une fois, mais... Mais tu peux avoir mauvais goût, c'est vous pas grave. Vous allez prendre comme Mouratia Kine des vacances anticipées. Julien Pralon, vous allez les regarder quand même. Bon, les 4-5 dernières années, on avait aussi 3 clubs espagnols qui étaient en finale assez régulièrement. C'est... En 2015, il n'y a aucun club anglais, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, en quart de finale. Et on dit que les clubs anglais n'arrivent pas au niveau européen parce que la Première Ligue est trop difficile, parce que ça demande trop d'engagement. C'est un cycle, encore une fois. Voilà. Je reviens à ce terme de cycle. Julien sera certainement pas encore d'accord avec moi. Mais je ne peux pas être d'accord avec vous. C'est une posture. De 2013, on a 2 clubs allemands en finale de la Ligue des Champions. On dit ah, l'Allemagne, ça sera le pays à suivre au niveau des clubs pour les prochaines saisons. L'Eintracht Francfort a sauvé la mise cette saison pour les clubs allemands. Le Bayern a rapidement été sorti, le Borussia Dortmund a rapidement été sorti. Donc la vérité d'une année n'est pas forcément celle de l'autre. Et n'oublions pas quand même comment se sont qualifiées ces 4 équipes. Et à part Arsenal, où c'était clair, avec un peu plus de réussite pour l'adversaire de Liverpool, de Tottenham et de Chelsea, on a un seul Anglais en finale, on a un Espagnol, on a un Allemand et on a un Irlandais. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est l'intensité et la densité du championnat d'Angleterre qui a nul autre pareil au monde. C'est un championnat où voilà, la concentration d'intensité est vraiment, ça on n'a pas en Espagne, on n'a pas en Allemagne, on n'a pas ça ailleurs. Concentration de bons joueurs qui ne sont pas nombreux à être anglais quand même. Hein. On remarquera que c'est dans pour les ça postes qu'ils font des clés, les attaquants, les entraîneurs, les gardiens dans ces 4 équipes-là, à part peut-être Kane, Sturridge, on n'a pas beaucoup d'anglais, monsieur. Non, puis pas beaucoup de coachs anglais non plus. C'est pour ça que l'équipe d'Angleterre est souvent en difficulté, parce que c'est vrai que le championnat anglais est... possède les meilleurs joueurs, mais malheureusement, ne sont pas des joueurs anglais. Bon, j'écarterai quand même Tottenham, parce que Dele Alli, Trippier, Rose, il y a quand même une Kane qui est absent. Il y a quand même une base anglaise à Tottenham. Et ça, c'est aussi Mauricio Pochettino. Tu parles de coach anglais. Je crois que c'est la saison dernière, pas celle-là, mais sur les 60 clubs engagés en phase de poule de la Coupe d'Europe, Ligue des Champions et Europa League, il y a un seul club qui est coaché par un club anglais. Et c'était anglais. Helsingborg. Östersund en Suède. Östersund, oui, pardon. C'était des Suédois, c'est ça. Les 60. Donc c'est vrai que... ils ont soi-disant inventé le football, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. On va le résumer comme ça. Ils sont restés un peu quelques décennies en arrière. Peut-être. Anti la Première Ligue. On n'a plus trop le temps pour débattre. Ça vous arrange bien. Je ne suis pas d'accord. Lui qui a fait la fête tout le week-end et quand on est arrivé à la fin de l'émission. Mais je ne vous laisserai pas partir quand même avant un pronostic, Steven Lang, sur l'une et l'autre de ces finales. Vous voulez que ce soit qui remporte la victoire? Comme ça, je pronostique une équipe, ça va être l'autre qui va gagner. Ah, parce que vous n'avez pas de chance avec ça. Non, un pronostic, c'est une catastrophe. On a tous fait faux de toute façon cette semaine, alors allez-y, mouillez-vous. Allez, je vais dire Liverpool. Liverpool qui va gagner. Europa League. Et là, j'espère vraiment du fond du cœur, parce que c'est mon équipe, Chelsea. Liverpool, Chelsea. Julien Pralon. Clairement Tottenham. clairement le contraire. J'imagine que Nicolas Médacre, vous êtes à l'opposé de Pralon. Clairement, aucune idée. Aucune idée. Claude Gross. Coup de sifflet a retenti, dépêchez-vous. Liverpool l'autre, je m'en fous. Ils s'en fichent, mais vous qui avez de l'intérêt pour ces finales, vous serez évidemment sur Téléclub pour les suivre. Le 29 mai pour l'Europa League du côté de Bakou, le 1er juin à Madrid pour la Ligue des Champions. Et puis c'est la fin de cette émission. Merci messieurs d'avoir été des nôtres ce lundi. Match après match revient lundi prochain évidemment à 19h. La suite de votre programme sur Téléclub ce soir, c'est de la Serie A avec Inter Kievo à 21h. C'est à suivre sur notre canal gratuit Zoom. Et puis un peu plus tard dans la soirée, 23h, rendez-vous pour les fans de hockey sur glace avec le championnat du monde de hockey sur glace. Voilà, on vous souhaite une belle soirée, une excellente semaine. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Téléclub. Salut.